Et bien de mon côté, ma réussite en 1993, il m'a fait coller l'oreille. Et qu'il n'acceptait que des rôles que j'ai de l'air intelligent. Un petit mot de la fin, mon Roger? Kokoro Kwekwe. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire bonne année en Papouasie. Papouasie. Je suis nommé. OK. Bonjour, le mec. Je suis. OK, stand by, Roger. Dans 3, 2, 1, you. Bonsoir, le mec. Je suis le petit ami de Roque Voisine. Et au Canada, je suis un chasseur de Kokoro Kwekwe. Et j'ai la bouche en cul de poule. Vraiment l'homme de ma vie. Il y a tout ce que je recherchais un mâle. Des cuisses poilues, des avant-bras puissants, une oreille décollée, une bouche sensuelle, tellement sensuelle. Roger est entré dans ma vie comme un train dans une gare. Ah, mon chouchou? Oui, ma chouchouette. Oh, il m'a appelé ma chouchouette. Il est super. Roger, il m'écrit même des poèmes, hein? Premier homme qui m'écrit ça. C'est quoi ton poème? Ça s'appelle Kokoro Kwekwe. J'aimerais être une larme pour pouvoir naître dans tes yeux. Vivre sur tes joues et mourir sur tes lèvres. Kokoro Kwekwe. Non, c'est bon. Merci, mon amour. Kokoro Krishna! Merci beaucoup, Roger. Merci.